Le pays Dogon, pour moi, c'est beaucoup de poésie, beaucoup de magie, beaucoup. La culture des Dogons est tellement intéressante et j'y suis allée plusieurs fois et je suis allée dans des petits villages où ils fabriquaient le bogolan de façon traditionnelle avec de la boue, des colorants naturels et respectaient tous les symboles parce qu'en fait, tous les symboles sur les manches de ma veste, il y a du bogolan. Et tous les symboles signifient quelque chose. C'était une façon de communiquer. Et c'est un tissu traditionnel important au Mali. Et le pays Dogon, pour moi, fait partie de la richesse du Mali. Entre les paysages incroyables, les falaises Dogon et leur culture. Parce que les Dogons ont fui l'islamisation. Ils se sont nichés sur les falaises comme ça, donc il y a des centaines d'années. Et aujourd'hui, on retrouve ce côté très animiste dans leur culture encore. Mais on retrouve. Des petites maisons nichées. Et il paraît que les Dogons ont été les premiers à lire ce qui se passe dans le ciel, les étoiles et les astres. Donc c'est quelque chose qui me passionne.